Bon. Du coup. J'ai un peu avancé au boulot. Donc du coup j'ai ajouté la... Alors j'ai sécurisé un peu le login, j'ai rajouté une fonction lost. Et non, et celle était buggée en return true systématique. D'ailleurs quand je return false d'une méthode dans Falcon, ça me retourne pas forcément false. Et j'ai mis une méthode d'écho. Et du coup dans vue... ça se traduit par j'ai rajouté donc la toolbar, je l'ai mis sur fond blanc, j'ai renommé marketing profit, il y a une petite barre de menu avec une déconnexion et quand je me déco sur réponse à trou, ça me déco. Et du coup, dans le store, j'ai rajouté une mutation pour le login que j'utilise si tout va bien nulle part en fait maintenant. Je pourrais peut-être l'utiliser quelque part en fait. Ah, j'aurais pu... Peut-être que je pourrais le mettre quelque part quand même. Juste pour voir si ça marche en fait. Donc en gros j'ai fait tous les trucs chiants autour de l'authentification qui restait à faire. Oui, j'ai mis des snack bars dans le formulaire de login à la place de l'alerte là. Donc c'est un peu plus joli. Et puis j'ai mis le bouton bah, mail perdu du coup. Ce qui fait quand. Et j'ai aussi amélioré les transitions parce que c'était pas clair. Donc là, j'ai mis des transitions ici. Alors là, je pense que celle-là, elle marche pas, mais c'est pas très clair. Et pour pas que le formulaire en fait se raffiche quand je recharge, j'ai mis un if prêt ici. Mais bon, ça c'est moyennasse. Ouais, c'est marrant ça. Donc du coup déco il est là. Voilà. C'est marrant, ça veut dire qu'il avait gardé la session. En plus mon login il n'a pas l'air de marcher là. Y a un problème là. Putain, ça, en plus c'est vraiment des trucs chiants qui prennent du temps ça. Mais là on a un problème. Putain, mais pourquoi ça me retourne tout quoi? Y a un truc bizarre. Putain, je sais pas, j'ai l'impression de faire de la merde sur cette partie, mais c'est un truc de gueudin, quoi.
Non mais attends, je pense peut-être qu'il n'a pas totalement le bon JS. Non mais il y a un truc chelou. Bon, je pense que ça va être une vidéo de merde avec des problèmes de réglés de merde. Non mais il faut qu'il... Attends. Parce que login, c'est un computer de store état. Et le store état, c'est commit au moment du login. Et c'est commit... C'est comme et tout d'ailleurs. C'est pas commit. Il y a quelque chose de pas normal. Attends, normalement il y a un endroit où, voilà, là je le commit parce que hôte il est censé me renvoyer le login dans les data. Donc normalement si je fais ça. Mais il me renvoie pas en fait. Waouh, il me renvoie status embarqué dans les datas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, putain. Ah non, mais là, je vais m'énerver là. C'est quoi cette merde? J'ai pas que ça à foutre de faire des codes de merde comme ça là. Session, elle est où là? Toutes les sessions 7. Mais c'est quoi cette merde? Mais non, mais c'est pas possible, putain! Ah mais je fais le boulet, sérieux! Ah non, mais ça va pas du tout, hein. Alors, attends, non, 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 non.
Ah, je vais pas faire dans la dentelle là parce que, un, j'ai pas envie de perdre du temps. Deux, putain, ça c'est vraiment le genre de code que ça m'énerve de voir ça, quoi. Je comprends pas, j'aime pas ces codes de merde là. C'est vraiment, en plus c'est des codes maladroits. Putain, c'est dingue quoi. Je comprends pas, je peux pas faire des codes plus vraiment des codes de merde quoi. Donc maintenant, ce que je veux, ça m'a l'air mieux. Ok. Donc, c'est dingue d'en arriver là. Je veux que. Je pensais avoir réglé le problème, mais alors, putain, problème de merde, un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce que je veux en fait? Le login là, il m'affiche pas le login cet enfoiré. Pourquoi il m'affiche pas le login? Chez les autres, il m'affiche ça comment? Il n'y a pas un endroit sympa où je peux me connecter. Bon, normalement, c'est à gauche du nom. Donc, tu dois me le faire, cet enfoiré. Attends, login. Il n'y a pas une histoire que Computed, ça doit être. Y a un endroit où le TIS, faut faire gaffe, mais je sais plus c'est lequel. Attends, juste pour voir, parce que.
Le problème que j'ai, c'est de savoir si je suis bien dans une situation de merde. Ouf. Le login n'est pas seté. Et je pense que c'est le cas. Parce que quand je me log. Là. Ah ouais, c'est vraiment pas seté quoi. Je comprends pas comment j'arrive à faire de la merde comme ça. Store état. Tease store état. Le cas login, il doit me commit le name. Mais il y a quand même une anomalie. C'est que. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me. Pareil, quand il a la réponse ici, autre réponse. Sais pas si le. Mais c'est peut-être la mutation du name qui n'est pas fonctionnelle. Hein. Voilà, tu as du payload parce qu'elle est peut-être merdique aussi. Responsive design, c'est la merde. Donc alors attends. Non, mais il est pas à jour là. C'est pénible ça, putain. Vas-y, fais pas ta pute là et mets-moi à jour correctement. Ah, mais faut que je trouve une solution pour ça, j'en peux plus. Faut que je lui mette la tête du jour dans la gueule ou je sais pas quoi, mais. Je peux pas rester comme ça.
C'est bien le login. Y a pas Computed. Y a pas Computed. Il n'est pas sollicité le Computed de Caborn. Je crois qu'il n'est pas sollicité. C'est marrant ça quand même. C'est dingue. C'est incroyable. Undefined. Mais se fout de ma gueule. Ah non, c'est inacceptable ça. Ah non, non. Non, c'est pas possible ça. Attends, je rafraîchis l'interface, d'accord? Ça veut dire que normalement, il doit passer par là. Il doit impérativement me commit dans le store et il l'a pas fait. Cible la commit. Il m'a commit. Et le payload est dans son bon état. Alors, qu'est-ce qui va pas? Je crois. Je crois que c'est pas bon ça. Je crois que ce state-là, il n'atteint pas le. J'en suis presque sûr. Mais si, pourtant, il doit. Mais non. Je suis totalement légal. Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est pas state.login, hein, c'est state.état.
Attends. Je pense qu'il y a une confusion là. Ouais. Putain, je comprends pas. Là, je comprends pas. Attends, le store. Je suis censé l'avoir à tous les étages. Sans aucune distinction d'aucune sorte. Le computed. Je pense pas qu'il y ait non plus d'embrouille sur le TIS. Mais clairement, il n'a rien, quoi. La question, c'est est-ce qu'il a rien parce qu'il n'atteint pas le store? Ou alors est-ce que c'est l'état du store qui est de la merde? Et quand il commit state, ici il atteint un vrai state ou c'est encore une histoire de merde. Et j'aimerais bien pouvoir atteindre le store dans le débugger, quoi. Mais là, on a un vrai souci, parce que je suis censé avoir quelque chose où je peux mettre des choses dedans. Finalement, je suis désolé, mais ça fait de la merde, quoi. Et c'est pas possible d'avoir de la merde comme ça. Je veux dire, si ça suit pas, je perds un temps de dingue, moi. J'atteins bien un store. Mais l'état, il m'est pas rétrocédé. Hein. Putain. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Mais je l'ai, l'état. Je l'ai. Je comprends pas. Pas. Putain, je suis encore, à mon avis, je dois être encore dans un vieux délire de merde d'asynchronisme où lui. Oh, ça me saoule, ça, putain. Attends, le checker ACL, il est où? Non, mais c'est saoulant, putain. Mais le problème, c'est qu'il est censé me faire en même temps. Je comprends pas. Attends, 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 attends. Quand j'ACL, il ACL quand là? Quand j'ACL, il faut qu'il me. Là, voilà, là. Store state, hein. C'est pas store direct là, hein. Saloperie, putain. Store commit.
Star State. Ah, d'accord. Ah, quelle saloperie, putain. Mais quelle saloperie, putain. Mais ça, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience avec le store. C'est state ou commit, point barre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure. Mais... Est-ce que je dois le tuer, sa race de merde, là? Putain. Ok. Je ne pas avoir fait ça. Bon. Je sais pas si j'ai bon là. C'est comme ça parce que moi ça permet de voir qu'on est connecté. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau non plus. Je sais pas si je fais ça ou si je fais autre chose. Faut que je finisse cette merde, mais j'ai envie de faire autre chose. En même temps, je peux pas laisser ça comme ça, quoi. J'avoue que je peux pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que... Déjà le bouton vert. On va faire couleur égale la même couleur que la toolbar blue. Darken 3. Et login, je n'ai pas couvert. J'ai mis primary. Bon, on va mettre primary.
Du coup, sur Cabord aussi, hein, on va mettre Primary. Mais du coup, le cataloguer le-dessus, les Primary, c'est pas. Oui, les Primary. En dark. Tout pareil. Ouais, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, configuration primary. Ce qu'on veut. On va faire un contrôleur primitif. Hein. J'ai pas trop envie de me casser le cul pour l'instant parce que c'est vraiment des trucs de merde. Déjà, c'est que si haute et haute. Hein. Ah oui, attends. C'est pas passé utilisateur. Il y a plusieurs choses. Passe, je vais l'accepter quoi qu'il arrive. Voilà. À partir de là, pour l'instant, on va faire un truc chum.
Là, c'est... On a un petit souci. Me faut l'aide. Que ce soit dans la session là. Qu'est-ce que c'est long? Ah, mais c'est dangereux ça. Email, c'est dangereux. Hein. Il y a déjà les vars. Ouais. Ah ouais, faut vraiment pas s'envoyer les pinceaux là. Hyper dangereux. Faut que je fasse des tests là. Normalement, faut que je fasse des tests unitaires. C'est dangereux ce que je fais. J'espère pas que c'est la vie de la session. Putain, ça en fait du code de merde, hein. Sais pas pourquoi.
Je sais pas si c'est la fatigue, hein. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est le seul endroit là. On va blinder parce que je connais la chanson.
J'en ai prévu des cas. Ce que je vais faire, c'est que... faut que je me mette les mêmes snack bars, mais il faut que je mette la snack bar multiple. La snack bar multiple. C'était où il y avait un exemple multiligne. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on veut savoir, c'est la snack bar multi. Il faut lui mettre quoi dans la gueule? Ouais, c'est tout. Et multi-line. Ah non, il faut la mettre à trous, c'est tout. Configuration. Non, mais c'est tout. Ça s'auto-slash ou pas? Non, mais il faut quand même y mettre le reste. C'est pareil que l'autre. Sauf qu'elle est mutée. Donc, ici, il faut que je fasse un Axios change. This input, c'est quoi? J'aurais pu mettre les trois là. Peut-être mieux comme ça. Comme ça, je modèle comme ça. Voilà. Et comme ça, dans... Oui, parce que le jour où je veux le rendre le contrôleur de change. Que login c'est le cas, enregistreur c'est le cas, tu vois.
Pas mal. C'est marrant parce que dans le... Oui, le Lost, il est même pas protégé. Il n'y a pas de message possible de non-soumission parce que le problème c'est que il faut quand même que j'affiche le contrôleur normal, donc ça c'est pas possible. Et Lost il n'est pas censé être authentifié. Ouais, c'est curieux, hein. Le change est beaucoup plus blindé que le reste. C'est curieux. C'est comme ça. Donc lui, il est sur input. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais, il faut pas qu'il me casse les couilles. Il y a plusieurs trucs visiblement. Ouais, mais faut que je mette cette merde. Et je peux les typer mes VTX fields visiblement. C'est marrant. Ah, ça, faut que tu me le mettes direct parce que. Je sais pas c'est quoi ref. Je vais pas mettre ref. J'ai pas besoin d'un V modèle non plus. Juste besoin de ça. La snack bar, elle est sortie ce message. Voilà. Ah, je sais pas comment il va gérer.
Oui, c'est tout. Tout cela me paraît bien étonnant, mais pourquoi pas? J'ai écrit beaucoup sans tester rien du tout. Non, il y a un truc que j'ai pas fait. J'aime pas trop ça d'ailleurs. Non connecté. Non connecté. Sans status. Ah oui, c'est le status. Erreur apply. Non, export apply. Comment il peut sortir ça? Attends, il y a plusieurs problèmes. D'abord, je veux que la snack bar elle marche. Point snack bar pour carte de guide, ça doit être le cas quelque part. Ouais, déjà de base au moins pour voir comment il l'affiche. Non connecté. Ça, je suis étonné. Si je fais ça. Je suis connecté. Donc, maintenant, la question, c'est... Comment ils peuvent dire ça? Non connecté, quoi. Non, oui, d'accord. On s'excite pas. Email correspond à session. Ah, mais faut que je mette que le... Faut que je mette que le reste a fonctionné, quoi.
pas mal. Je pense que ça fonctionne. C'était quoi déjà? Ouais, on va dire que ça marchait. Ah, pas marché. Il m'a fait un gros caca nerveux là même. Non, le mail différent, et il aime pas ça. Hein. Et je sais, mais là, il pourrait m'afficher l'erreur quand même. Faut que je mette liste, ok, c'est plus sexy. Par contre, si c'est ça, attention. C'est incroyable, hein, le nombre de petits détails à la con. Il faut qu'il me le change là aussi.
Incroyable le nombre de petits détails quand même. State, état. J'hallucine quoi. J'hallucine le nombre de micro-détails à la con. Je pensais pas que c'était aussi long sur la. Ah, ça fait mal, hein. Ah, c'est fou, putain. Ok, bon. Verra si je mets pas snack bar en bas, plutôt. C'est un petit détail. Bon, je pense que je suis pas mal là. Je vais m'arrêter là pour la partie entre guillemets management d'espacement. Bon.